qu'une période de fatigue et c'est normal d'être fatigué. Tu vois pas tout ce que t'as donné cette année. Alors, t'as peut-être pas la sensation d'avoir donné, mais moi je te dis que t'as donné. T'as donné, déjà tu t'es donné à toi-même des éveils de la conscience, des progressions, des élévations, des compréhensions. T'as fourni de l'énergie, énormément. Tu te rends pas compte, mais t'as énormément fourni d'énergie. Par tes prières, par tes intentions, par tes œuvres, petites soient-elles, mais toutes tes petites bontés envers l'extérieur, toutes tes petites bienveillances ont été de l'énergie, du carburant que t'as donné. Donc c'est complètement normal d'être en ce moment en train de re-rentrer dans sa terre intérieure. Vous savez, du temps des Amérindiens, on côtoyait toute forme de vie, toute forme d'intelligence, c'était esprit. Les animaux, c'était esprit, les plantes étaient esprit, les saisons étaient esprit. Pour les Amérindiens, tout était relié à la nature et au grand esprit. Et donc là, en ce moment, on a l'esprit de l'hiver qui s'approche de nous, qui vient nous rencontrer. Il y a de la neige, c'est ce qu'on attend à Noël en général. Noël sans neige, quelque part, c'est pas Noël. En tout cas, comme c'était une fête nordique, elle était vraiment entourée de neige, cette fête-là. Et qu'est-ce que c'est la neige à Noël? Ben, la neige, c'est la pureté. La neige, quand elle arrive, elle recouvre tout et tout le monde. Elle est comme le soleil. Couvre tout. C'est la terre qui met sa robe blanche. La robe blanche, mais pas la robe de mariée. La robe blanche des anges et des archanges. Donc qu'il neige ou qu'il ne neige pas là où tu es, si tu regardes ce direct, t'es invité toi aussi à mettre ta robe blanche de l'hiver, c'est-à-dire à mettre ta robe de pureté. Et à devenir, tu l'es déjà, mais à faire comme une mise à jour. Comme une mise à jour. Parce que cette robe blanche que tu vas placer à l'intérieur de toi, elle va venir vraiment tout purifier. Pureté dans tes pensées, en ce moment. Pureté dans tes paroles. Pureté dans tes actions, dans tes œuvres. Tu peux poser cette intention en ce moment. J'y vis mon hiver, mais à chaque fois que je vais aller à l'extérieur, je deviens de la neige. Je deviens un flocon de neige. Je deviens la reine des neiges. Je deviens un être vêtu du manteau blanc. Je deviens un être vêtu de la robe mariale.